Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de pouvoir intervenir à l'occasion de ce congrès national de l'emploi à domicile parce que c'est un enjeu majeur pour la France et pour l'Europe et souvent un potentiel sous-estimé ou méconnu. C'est pourtant presque 1,5 million de travailleurs en France, plus de 8 millions de travailleurs à travers toute l'Europe et nous devons après cette crise non seulement valoriser, rendre hommage à ce secteur qui s'est énormément mobilisé, et regardez aussi les transformations qui doivent l'accompagner sur lesquelles vous réfléchissez à cette occasion. Pendant la crise de la Covid, on l'a vu, la notion même de domicile a parfois été interrogée. Les emplois ont été souvent en première ou en deuxième ligne extrêmement précieux. Et c'est toute une réflexion sur le statut, la rémunération, les nouveaux besoins que nous devons aussi engager en France et à travers toute l'Europe. Je souhaite que cette réflexion, celle que vous allez mener, puisse nourrir l'agenda, le travail de la présidence française de l'Union européenne qui commence dans moins de 6 mois et qui sera l'occasion dans le domaine de l'emploi en général, de l'emploi à domicile en particulier, de réfléchir à nos règles, aux incitations, aux cadres fiscaux que nous avons partout en Europe pour accroître le potentiel, mettre en œuvre le potentiel de ce secteur. Et puis, il y a de très vastes transformations, de nouveaux métiers, de nouveaux besoins qui apparaissent. Je pense bien sûr au défi démographique qui fait que le vieillissement de la population va nécessiter plus d'accompagnement, de nouvelles formes ou plus encore le développement des formes d'emploi à domicile que nous connaissons aujourd'hui. Et puis un défi démographique pour le secteur lui-même, puisque d'ici 2030, c'est près de la moitié des travailleurs actuels dans l'emploi à domicile qui vont quitter leurs fonctions, prendre leur retraite, et on doit aussi anticiper ce renouvellement par la formation, par la transmission, par l'ensemble de nos règles. Alors voilà, je suis très heureux de pouvoir ouvrir ces débats, de bientôt avoir le fruit de votre travail pour que, à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe, de la présidence française de l'Union européenne que j'évoquais, l'emploi à domicile soit reconnu comme il se doit, que nous puissions travailler ensemble à son évolution, à sa modernisation, et je sais à quel point vous êtes engagé dans cette voie. Alors merci beaucoup pour votre contribution, pour votre engagement et pour la réflexion que nous allons partager ensemble au cours des prochaines semaines. Merci.